Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons préparer une glace au chocolat. Donc pour ça, on va préparer 100 ml de crème liquide. On y ajoute 100 g de sucre, 400 ml de lait entier et une cuillère à soupe de lait en poudre. Donc il va falloir que tous ces ingrédients montent à ébullition. Donc dès que ça va commencer un peu à frémir, en fait, je vais enlever ma casserole du feu. Pendant ce temps, je vais couper le chocolat. Donc c'est du chocolat noir et il faut 150 grammes. Je les coupe en morceaux pour que ça fonde plus vite. Donc ma préparation commence à bien frémir. Ça se voit pas trop, mais il y avait des petites bulles qui remontaient à la surface. Je mets ensuite mon chocolat dans ma casserole. Attention à ne pas vous brûler. Je vérifie que tous mes morceaux de chocolat soient bien en dessous de la couche de lait. Et je laisse de côté pour que ça puisse fondre. Après 10 minutes environ, je commence à mélanger. Mon chocolat est fondu, donc maintenant il faut que le chocolat se mélange bien au lait. N'hésitez pas à prendre un fouet comme moi. Donc en même temps que je prépare cette préparation au chocolat, je mets ma sorbetière au congélateur. Comme ça, la sorbetière passe une nuit au congélateur et ma préparation, je vais la recouvrir et la mettre une nuit au frais. Le lendemain matin, je sors ma sorbetière, je l'installe. Et je verse ma préparation au chocolat dedans. Et c'est parti pour 20 minutes environ. Donc au bout de 20 minutes, on obtient une belle glace. Donc on voit bien que la préparation a refroidi et ça a bien monté. C'est vraiment une texture superbe. Donc maintenant, on va récupérer toute la glace et on va la verser dans un bac. Donc moi, j'ai récupéré en fait un vieux bac du commerce. Et on y verse toute la glace dedans. Donc la glace, vous pouvez la consommer tout de suite, mais en général, on dit qu'il faut la laisser encore 2 heures au congélateur. Et voilà le résultat. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir faire vos glaces maison et que vous allez vous régaler. À bientôt!